Salut à tous, c'est Lydra, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à nouveau, nous allons voir ensemble comment réaliser l'une des missions de la dernière voie des étoiles de cet été 2024 sur Disney Dreamlight Valley. Il s'agit de la voie des étoiles Majesté et Magnolia et nous allons voir ensemble comment réaliser la mission Bavarde avec un villageois puissamment glacial. Alors elle est ici, on voit que je l'ai déjà bavardé une fois avec et nous allons voir ensemble de qui il s'agit. Et vous avez sûrement remarqué que mon personnage était un peu plus élégant qu'à l'habitude aujourd'hui. Eh bien c'est parce que j'ai gardé ma tenue pour le défi Dream Snap de cette semaine. Alors le défi Dream Snap c'est Galerie d'art Dreamlight. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose d'élégant. Attention évidemment que cette semaine le défi n'a rien à voir avec un défi vestimentaire. C'est plutôt un défi décoration. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi cette jolie tenue et je vais l'intégrer dans le décor qui était derrière moi. Et donc revenons-en à nos moutons et donc nous allons voir comment réaliser la mission bavarde avec un villageois puissamment glacial. Donc on peut d'abord penser que cette mission est plutôt simple, alors personnellement je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à trouver de qui il s'agissait. Donc évidemment on pense tout de suite à l'un des personnages de la Reine des Neiges, donc forcément Elsa ou Anna. Mais alors ici on parle d'un villageois et non d'une villageoise. Donc on va plutôt s'orienter vers un personnage de type masculin, donc il y a également Olaf. Donc lui, Olaf, il n'est pas vraiment puissant et puis pour l'avoir testé, j'ai déjà discuté avec lui, ça ne fonctionne pas. Vous avez également Christophe, ça ne fonctionne pas non plus. Donc je vous avoue que j'ai même pensé à Maui pour réaliser cette mission qui lui colle totalement à la qualité de forme. Alors c'est le côté glacial. Maui vient plutôt du soleil. C'est alors peut-être son côté très sûr de lui qui pourrait le rendre froid. Mais franchement, je n'y crois pas. D'ailleurs, j'ai même pas testé d'aller lui parler. Et donc, de qui s'agit-il pour réaliser cette mission? Eh bien, il s'agit d'un personnage que j'ai cité en début de vidéo et c'est Elsa. Donc, il s'agit bien d'une erreur de traduction ici pour réaliser cette mission dans Disney Dreamlight Valley. Donc, villageois, villageoise plutôt. Donc, rien de grave, mais on peut vite perdre du temps là-dessus. Alors, on va voir ensemble tout de suite où se situe Elsa sur ma carte. Voilà, donc tout simplement, ayez deux conversations avec Elsa de la Reine des Neiges, qui semble-t-il est puissamment glaciale, et vous validerez la quête bavarde avec un villageois puissamment glacial. On va la valider tout de suite ensemble, et voilà. Donc j'espère avoir pu vous aider, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez trouvé tout de suite de qui il s'agissait, ou si le villageois, villageoise, vous avez comme moi forcément induit en erreur. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la Voie des Étoiles, qui est en cours ou bien sur d'autres questions sur le jeu, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de tout le contenu que je publie. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt, c'était Lydra, salut salut.